sur les ondes de Choc FM 105.1, ici Guillaume Laurin avec notre tout nouveau projet d'émission intitulé Plus proche de vous, un projet rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire et qui consiste en une création d'émissions qui sera également produite en vidéo sur nos plateformes sur YouTube et en studio ou à distance avec une personnalité francophone locale qui va être interviewée à chaque fois pour un format long, un format d'une heure podcast entrecoupé de musique choisie par l'invité qui vont enrichir, nourrir la discussion. Et on va revenir ensemble sur un parcours pour partager ensemble ces expériences de francophones en milieu minoritaire. Voilà, c'est un petit peu le pitch du projet. Et pour premier invité, c'est un grand plaisir, un honneur de recevoir aujourd'hui Nicolas Bézier ici en studio, dramathérapeute. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ravi d'être avec toi, merci. Fabien aussi, merci pour l'invitation. Merci de te prêter à ce jeu-là, de se dévoiler un petit peu. Alors, j'annonce déjà qu'on va écouter de la bonne musique. Là, il y a 5 titres qui vont entrecouper nos discussions. Mais sans plus tarder, commençons par le commencement. Est-ce qu'en 2 mots, tu veux nous dire qui tu es? Évidemment, là, si on entend ton accent, je vais te laisser parler, je te promets. Je crois que tu viens comme moi de France, c'est bien ça? Oui, exactement, du sud-ouest, juste à côté de Biarritz, Anglette. Sud-ouest, magnifique. Donc, pour les auditeurs qui connaissent mal la géographie française, c'est pas très loin de l'Espagne, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est complètement totalement dans le sud-ouest, au bord de l'océan Atlantique. C'est d'ailleurs très réputé pour le surf. Il y a beaucoup de compétitions de surf qui se déroulent là-bas. Et tu pratiques, toi? Tu pratiques le surf? Non, 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 tout le monde me pose la question, mais non, j'en ai jamais fait. Ouais. Non, non. Moi, les sports de glisse, c'est plutôt sur la neige que. Que sur l'eau, quoi. Alors, qu'est-ce qui amène un sudiste, comme on les appelle, un habitant du sud-ouest, jusqu'à Toronto dans le froid, là, aujourd'hui, c'est le premier jour de la neige. Oui. Qu'est-ce qui t'a décidé à venir jusqu'à chez nous? Bon, c'était tout simplement une envie de changement hein, dans ma vie, un petit peu, bon, peut-être la crise de la trentaine, parce que je venais à peine de faire 30 ans quand j'ai déménagé. Et une envie de changement, tout simplement, de découvrir autre chose. J'avais un petit peu l'impression que je commençais à tourner en rond en France. Et j'avais envie de découvrir de nouveaux horizons, de laisser de nouvelles opportunités se présenter à moi. Et voilà. Et puis pourquoi le Canada? Ben, je voulais vraiment, vraiment un grand saut, c'est-à-dire changer totalement de continent, pas juste aller de l'autre côté de la frontière par rapport à la France, mais vraiment complètement, enfin, découvrir la culture nord-américaine. Ouais. Et donc j'avais déménagé d'abord à Montréal, bon, le côté francophone aidant. Ah ouais, ça c'est un classique oui. Pour beaucoup de francophones, d'être attiré par le Québec, par Montréal. Et tu t'es plu à Montréal, tu es resté longtemps, je crois. 11 ans. 11 ans quand même. 11 ans entre 2006 et 2017. J'en suis parti tout début 2017. Et oui, ça m'a plu, oui. Oui. Effectivement, ça. Je trouve que c'est. Enfin, le Canada en général, de toute façon, laisse beaucoup plus de possibilités pour pouvoir évoluer professionnellement, si on veut se mettre à son compte, etc., c'est beaucoup plus pratique. Contrairement en France, où tout peut être beaucoup plus lourd au niveau administration, au niveau tout ça, on a aussi la mentalité française qui fait qu'on a tendance plus à décourager ouais. les gens qui sont ambitieux plutôt qu'à les supporter. Et voilà, et c'est pas du tout ce que j'ai retrouvé au Canada. Au contraire, on a envie de se lancer dans quelque chose, et puis on fonce, et puis on voit ce qui se passe. Si ça marche très bien, si ça marche pas, ben tant pis, au moins on aura essayé, puis on aura appris quelque chose. Et se mettre à son compte, c'est ce que tu as fait. Mais si on revient un petit peu en arrière, j'imagine que comme beaucoup d'entre nous, quand tu es arrivé à Montréal, tu es passé par différentes cases. Oui. Est-ce que ce projet-là, c'était un projet de longue date? C'était quelque chose que tu faisais déjà en France, la dramathérapie? Pas du tout, mais j'étais dans tout l'inverse. Quand j'étais en France, je travaillais dans les assurances.
D'accord. J'étais rédacteur en sinistre automobile, donc ça va trop rêver, quoi. Ouais, beaucoup moins créatif, en tout cas, Ouais, j'imagine. oh, mais totalement, totalement. Puis surtout complètement à l'opposé de ma personnalité, effectivement. Mais bon, on atterrit souvent dans le domaine des assurances par hasard. Et quand je suis arrivé à Montréal, ben, le petit souci, voilà, ça a été que j'ai dû faire mes preuves sur le terrain. Donc, on a un petit peu l'impression de repartir à zéro comme quelqu'un qui sort tout juste du lycée, qui n'a jamais travaillé de sa vie. C'est ça. Et toi, tu es arrivé aux alentours de 30 ans, c'est ça, la Ouais, c'est trentaine? ça, exactement. Donc, ça a été les petits boulots. Mon tout premier, c'était vendeur en prêt-à-porter dans un magasin de vêtements. Et ensuite, des divers jobs administratifs, que ce soit voilà, enfin, adjoint administratif ou que ce soit service à la clientèle. Tu as rebossé dans les assurances de nouveau? J'y ai retravaillé, oui, effectivement, oui, en assurance santé cette fois. Et puis en tant qu'employé en service à la clientèle, ouais, ça a été, on va dire, la goutte de trop qui a fait déborder le vase et qui a fait que, voilà, je me suis dit, non, stop maintenant. Là, bon, c'est un endroit, ça se passait pas très bien déjà à la base. C'était une entreprise qui avait des antécédents en termes un petit peu on va pas dire harcèlement, mais pas loin. Et ce qui fait, bon, tout ça m'a incité à partir en claquant la porte. Et puis là, je me suis dit, bon, maintenant, je vais m'écouter moi et je vais trouver quelque chose qui soit vraiment en résonance avec qui je suis. Et c'est là que j'ai décidé de me recentrer à nouveau sur tout ce qui est artistique. Donc j'ai commencé à me mettre à mon compte en tant que photographe d'abord. Ah, vraiment. Oui. Juste pour revenir sur parce que c'est intéressant pour beaucoup d'entre nous qui sommes issus de l'immigration, et bien souvent, on a l'impression que les premiers petits jobs, effectivement, on est obligé de repartir à zéro. Ça, c'est une phrase qui revient très souvent, Oui. mais aussi qu'il y a une forme d'exploitation presque, hein, de cette main-d'œuvre à bon marché qui arrive par avion entier et qui va être corvéable à merci parce que prêt à tout presque. Tu as ressenti ça? Alors, je me suis plusieurs fois posé la question si ce grand appel à l'immigration qu'il y avait, quoi, venez au Canada, venez au Canada, si ce n'était pas plus une industrie qu'autre chose. Hein. C'est quand je voyais des histoires de personnes qui avaient des parcours de médecins, etc., dans leur pays, qu'on leur demande alors on efface tout et on recommence, c'est-à-dire on leur demande de refaire toutes leurs études C'est dès le ça. début sachant en plus que les études peuvent coûter très cher Les ici, diplômes ne contrairement à la sont pas France. forcément reconnus, il y a un problème Exactement. Donc, d'équivalence très souvent. c'est, oui, il y a des questions à se poser, effectivement, quand on voit les coûts des visas, quand on voit ça, cette incitation à tout recommencer au début. Ouais, je me suis posé la question. Après, bon, j'imagine que ce n'est pas le seul pays dans lequel ça se déroule comme ça. C'était ton premier grand saut dans un pays étranger, entre guillemets. Oui. C'était ta première expérience comme ça de tenter de vivre, de travailler. Parce que je sais qu'il y a des gens qui font comme ça plusieurs pays, plusieurs sauts de puce avant de s'installer définitivement. Et y compris ici, au Canada et à Toronto, on voit beaucoup de gens qui sont finalement de passage, qui ne restent qu'un an, 2 ans, 3 ans et qui finissent par aller ailleurs ou par repartir chez eux. C'est ça. Oui, moi, c'était la première fois que je vivais à l'étranger. Bon, j'ai fait tous les visas possibles et imaginables. D'abord, le fameux PVT, permis vacances-travail. Et ensuite, j'avais enchaîné sur un visa d'emploi de perfectionnement. Je pense que ça s'appelle différemment maintenant. Et puis ensuite, j'ai ma résidence permanente et ensuite ma nationalité canadienne. Ouais, c'était ma première expérience de vie à l'étranger. Alors pour illustrer tout ça,
Nicolas Béziers, et puisqu'on va marquer quelques pauses musicales dans le cours de cette émission, tu as choisi pour première pause une chanteuse que, ma foi, je ne connaissais pas et qui, tu m'as expliqué hors antenne tout à l'heure qu'elle était également une de tes proches, Oui. localement en France, je pense, mais tu vas m'expliquer un petit peu le parcours qu'elle a, parce que ça illustre aussi la carrière que tu as choisi ensuite de pratiquer, pour laquelle on va revenir dans quelques instants. Elle s'appelle Olia et le titre qu'on va écouter s'appelle Comme sable. Explique-moi en deux mots pourquoi ce choix. Mais Olia, bon, qui à la base s'appelle Olga, on s'est connus, ouf, il y a longtemps, on était jeunes et fous, on a fait les 400 coups ensemble, on Ouais. était vraiment tout début de la vingtaine. Dans le sud-ouest. Oui, exactement, dans le sud-ouest. En fait, elle a, à la base, elle vient de Sarajevo. Ok. Et Donc elle est elle est serbe. réfugiée. Pardon? Serbe Oui, d'origine, c'est ça? Ouais. exactement. Et en fait, elle a fui la guerre, en fait. C'était l'époque où il y avait Mais la oui. guerre au Sarajevo. Et elle est arrivée en France, dans le sud-ouest, en tant que réfugiée. Donc, c'est une personne qui vraiment a développé cette combativité en elle, qui est forte, qui est déterminée. Et c'est un peu comme un modèle pour moi, d'une certaine manière, quoi, parce que. Elle arrive toujours à garder une paix d'esprit, une positivité, malgré toutes les horreurs qu'elle a pu connaître dans sa vie, que ce soit par rapport à la guerre ou après bon, d'autres choses, puis par rapport à sa vie personnelle. Je ne m'étalerai pas plus là-dessus. Et voilà, et donc on a été vraiment comme frères et sœurs, quoi, Wow. Donc c'est une forme très de rapidement. Et. une chanson qui parle de résilience un peu finalement. Oui, voilà, Ouais. exactement, tout à fait. Oui. Bien, on va écouter un extrait de cette chanson Comme sable, Olia, tout de suite sur les ondes de choc. On lance l'extrait maintenant. Comme sable entre nos mains, Olia, sur les ondes de choc, avec ce très beau titre, un choix, premier choix de Nicolas Béziers, mon invité dans l'émission. Plus proche de vous sur les ondes de choc, ça fait plaisir de découvrir des nouveaux talents. Alors, tu disais tout à l'heure que Olia est également musicothérapeute, je crois, c'est bien ça? C'est ça exactement.
Alors, rappelle-nous, explique-nous en deux mots ce que c'est que la musicothérapie, parce que, bon, j'imagine que comme son nom l'indique, il s'agit de soigner par la musique, peut-être, en quelque sorte, c'est ce qu'on essaye de faire avec notre radio également. Mais ben, toi, tu es dramathérapeute, tu vas m'expliquer un petit peu les subtilités, les nuances de tout ça, et puis quand est-ce que ces sciences un petit peu nouvelles qu'on connaît mal, finalement, sont apparues? Est-ce que c'est assez récent? Ça remonte à peu près aux années 60-70, les débuts de l'art thérapie. Donc en fait, il y a plusieurs branches de l'art thérapie, dépendamment du médium qu'on va utiliser. Là, dans le cas d'Olia, par exemple, c'est la musique. Dans mon cas, moi, c'est les arts vivants, plutôt les arts scéniques, comme le théâtre, le mouvement, le conte, d'où le côté drama-thérapie, drama pour le théâtre. Et effectivement, ça permet de, via les différents courants artistiques, permettre à la personne de se connecter soi-même avec sa fibre artistique qui réside en elle, et de se découvrir ainsi de nouvelles ressources, se sentir plus complet, se sentir plus fort. Et pour pouvoir faire face aux différents éléments de son quotidien, améliorer aussi son rapport avec les autres personnes, dans le cas de la dramathérapie, parce que vu que souvent on travaille en équipe, en groupe, pour des personnes plus introverties par exemple, ça les amène à développer leur aisance à communiquer avec les autres personnes. Et voilà, mais c'est avant tout se connaître mieux, se connaître soi-même, se connecter avec sa part sensible. Et ça, je l'ai beaucoup d'ailleurs remarqué avec le mouvement, avec tout ce qui est plus proche de la danse-thérapie, se connecter avec sa sensibilité et par-delà des mots. C'est-à-dire, on va se connecter, en fait, on va rentrer, on redescend dans le corps, d'une certaine manière, se reconnecter à son corps pour pouvoir ensuite se connecter à certaines sensations internes et s'ouvrir aux émotions qui en résultent en fait. Donc ça permet en fait par des moyens détournés, par des chemins de traverse, de développer d'autres moyens de communiquer ces émotions, de les reconnaître déjà et puis de les communiquer. Alors ça, c'est tout à fait passionnant. Ça me fait penser à beaucoup de questions que je vais te poser par la suite pour essayer de développer cette approche. Mais ce que je voudrais comprendre d'abord, Nicolas, c'est d'où te vient cette sensibilité à toi? Comment est-ce que tu as toi-même découvert ces disciplines, l'art thérapie, tu disais, et puis cette branche de dramathérapie qui est aujourd'hui la tienne, tu pratiques ici à Toronto, en français, en anglais, on y reviendra tout à l'heure, et tu as développé donc une approche qui finalement est un petit peu unique en son genre, en tout cas qui est assez peu connue et que je pense n'en est qu'à ses balbutiements. Comment est-ce que C'est tu as ça. découvert tout ce monde nouveau? Ben vraiment par hasard, ce sont des informations qui sont venues à moi de la part des rencontres avec des personnes qui travaillaient dans ce domaine-là aussi et qui m'ont inspiré, qui m'ont incité à m'orienter là-dedans également. Ensuite, mon choix vient aussi du fait d'avoir expérimenté par moi-même les bienfaits du théâtre sur moi. En fait, le théâtre, je l'ai découvert quand j'étais à Montréal. Et c'était sur le tard par rapport à d'autres personnes, on va dire. Alors tu parles de théâtre classique Oui, traditionnel voilà, au sens théâtre du classique, terme, en parce fait, que où j'avais d'abord intégré, bon, d'abord j'avais suivi des ateliers pour commencer à me former, puis ensuite j'avais intégré une troupe de théâtre amateur. Et je me suis rendu compte des bienfaits que ça m'apportait déjà à moi. Pour pouvoir découvrir d'autres ressources en moi, d'autres facettes de moi, une aisance que je ne me connaissais pas, parce que par exemple quand j'étais petit, j'étais hyper introverti, j'étais le gars au fond de la classe qui rougit quand on lui parle et qui n'était pas en retrait par rapport aux autres. C'est ce que j'allais te demander parce que quand on t'écoute là, tu as l'air d'être un garçon très à l'aise, social, mais tu n'étais pas comme ça. C'est vraiment une transformation qui passe par le Ouais. que t'a permis les arts vivants. Oui. Bon, la transformation avait commencé avant, hein, quand j'ai commencé à prendre mon envol, à prendre mon indépendance et tout, mais ça a été
beaucoup plus significatif, oui, avec le théâtre. On se découvrait des nouvelles capacités que, bon, qui étaient peut-être déjà en nous, mais qui étaient comme en dormance. Et on se sent plus complet. Et puis c'est vrai que, bon, il y a eu des moments où j'ai connu des moments où j'ai connu des difficultés dans ma vie, des moments assez pénibles. Et le théâtre m'a permis de passer au travers de tout ça, d'avoir comme une bouée à laquelle m'accrocher. Et je me suis dit, bon, autant faire profiter d'autres personnes à ce moment-là, quoi. Alors, tu nous dis ce que tu as envie de nous dire, mais quand tu parles de moments pénibles, tu penses à des relations humaines, à des relations professionnelles, à la maladie, ça peut être beaucoup de choses, Non, hein. plutôt de l'ordre sentimental, en fait. Une Sentimental, ok. rupture sentimentale, une qui a été plus pénible que d'autres, Ouais, notamment. ouais. Et Et on en vit tous, alors on a tous besoin probablement d'une approche d'art-thérapie. oui, mais effectivement, la thérapie peut s'appliquer à beaucoup de monde, hein. C'est vrai qu'on travaille principalement avec des groupes. Moi, je travaille plutôt avec des groupes, hein, de personnes plutôt qu'en individuel. Et voilà, ça peut être aussi bien avec des personnes qui traversent des dépressions, comme c'était le cas pour moi, quoi, ou des personnes aussi qui vivent avec une addiction, ou qui ont des troubles psychiatriques divers. Tout comme ça peut être des personnes vivant dans des situations de handicap. Par exemple, j'ai travaillé dernièrement avec des jeunes adultes qui avaient des handicaps intellectuels comme de la trisomie ou troubles enfin, autistiques, etc. Et voilà, ça peut être vraiment. La palette est très large des personnes avec lesquelles on peut travailler. Je travaille également avec des seniors en milieu francophone ici à Toronto. Ah oui, avec peut-être des gens du centre-accueil héritage. Exactement, oui, tout à fait. Parce qu'en faisant mes petites recherches, mon travail, je me suis rendu Oui. compte que les différentes disciplines de l'art-thérapie, effectivement, drapathérapie et musicothérapie, choses comme ça, commencent aussi à trouver leur place au sein des hôpitaux. Il y a des Oui. professionnels qui commencent à venir pour aider peut-être les malades à se sentir mieux d'une manière alternative, autre que médicamenteuse. Exactement. D'ailleurs, là, je dois commencer un contrat très très prochainement dans son hôpital à Toronto. Et ça serait auprès de personnes qui ont, je trouve plus mes mots là, qui ont eu des accidents cérébraux, qui ont comme des Des AVC, AVC, etc. Et qui sont dans ce centre-là, dans cet hôpital en convalescence. Et voilà, donc mon but, ça sera de les amener à se reconnecter avec à la fois le langage, avec leur corps, etc. Alors, on va marquer notre pause de respiration pour justement retrouver un peu ces mots et poursuivre dans ton parcours, Nicolas. Comme deuxième extrait, j'ai noté sur ma petite feuille que tu avais choisi Claudio Capeo, qu'on adore ici sur Choc. Je vous embrasse fort, c'est bien ça? Ouais. Alors, explique-nous en deux mots pourquoi. Ben, c'est un petit peu, ça montre un petit peu ce rapport. Alors, il parle de Paris, en fait. Quand il dit Paname, c'est le surnom qu'on donne à la ville de Paris. Et ça montre un petit peu ce rapport amour-haine qu'on peut avoir par rapport à Paris, quoi. Moi, j'ai vécu à Paris à deux reprises. Donc une première fois entre fin 99 et 2006, moment où je suis parti au Canada, et ensuite je suis retourné vivre 2 ans et demi en France il n'y a pas longtemps, automne 2018 et 2021. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai étudié en art-thérapie. Et en fait, par rapport à Paris, c'est ça, c'est que c'est une ville fascinante, c'est une ville qui a mille choses à offrir. Et qui nous manque énormément quand on la quitte, C'est vrai. mais qui nous tape sur les nerfs quand on y est. Donc c'est un petit peu ça, quoi. Surtout là, bon, j'ai remarqué que la ville a eu tendance à se dégrader pas mal les dernières années, quoi. Elle devient de plus en plus sale, de plus en plus d'insécurité.
Et cher, difficile à vivre. Ouais, Ouais. cher, difficile à vivre. J'ai remarqué aussi que, alors déjà, bon, les Français, on n'est pas réputés pour être les plus optimistes et les plus, les Ouais, plus ouais. chaleureux du monde, quoi. Mais c'est vrai que j'ai remarqué quand je suis retourné qu'il y avait beaucoup plus de morosité qu'à l'époque. Et on m'a expliqué que c'était lié aux attentats qu'il y avait eu à l'époque, en 2015. 2015, ouais. Et qui ont fait que, voilà, qui a plombé évidemment le moral de tous et Ah oui. développé encore plus une suspicion par rapport aux autres. Et qui Oui, fait que les Paris n'a gens se plus sont. forcément une fête à 100%, malheureusement. Pourtant, j'ai vu dans un récent classement que Paris était de nouveau dans le top 10 des villes les plus où il fait le meilleur vivre au monde. Je crois que c'est même la deuxième derrière Londres. Bon, on peut penser Ouais. ce qu'on veut de ce genre de classement, évidemment, mais Oui, c'est quand c'est même très intéressant. subjectif. Mais... D'autant que Toronto, qui était dans les premières places pendant longtemps, a un petit peu dégringolé. 24e place, si on en croit ce dernier classement-là qui vient de sortir. Ouais. Mais malgré tout, effectivement, deux villes qui ont leur propre identité bien différente et dans laquelle il fait bon vivre, mais à certaines Oui, conditions. parce que c'est une ville qui est très agréable à vivre, parce qu'c'est une ville qui vit quasiment 24 heures sur 24. Il y a ce côté franchouillard qu'on développe de se recevoir les uns les autres, de se rejoindre à la terrasse d'un café après le travail, de prendre le temps de vivre, quoi, et Ouais. que ce soit sortir de la routine métro, boulot, dodo. C'est vrai que si on n'aime pas cette routine-là, Paris est la ville idéale, parce qu'il y a toujours de quoi faire, de quoi sortir tard, aller voir des spectacles, etc. C'est ça que j'adore dans Paris. Et puis, surtout, il y a une âme qui s'en dégage, quoi. Il y a quelque chose de palpable qui vous enveloppe et qui fait que, voilà, cette forte identité et tout, qui fait qu'on s'y attache énormément, quoi, malgré les petits travers dont j'ai parlé tout à l'heure. Allez, alors un peu de nostalgie, un peu de mélange amour-haine avec cet extrait de Claudio Capeo tout de suite. Je vous embrasse fort sur les ondes de choc. Les gens m'ont dit que Paris était si magique que les cœurs les plus romantiques se laissent dérober par sa beauté du ciel. Moi j'ai dû voir ce côté certes plus tragique où des pauvres gens survivent sans fric sur le trottoir avec bébés et poussettes. Tout l'envers du décor, le dos de la carte postale, 3 millions de fourmis qui courent au sein de la capitale. Son histoire, elle nous apporte un peu d'espoir. Je vous embrasse fort, le pipalam, le métro chante, le ciel est gris. À la couleur du macadam, c'est pas vraiment ce qu'on m'avait dit. Je vous embrasse fort, le pipalam, les gens en haut ne sont pas d'ici. Chacun cherche sa place dans les rues de Paname. Allez, c'était un très court extrait parce qu'on a encore beaucoup à dire et l'heure tourne. Je suis toujours avec Nicolas Béziers, dramathérapeute, dramathérapiste, on dit dramathérapeute, c'est ça? Dramathérapeute, ouais. Dramathérapeute. Alors Ouais. Nicolas, juste avant cet extrait de Claudio Capeo, tu me disais que tu es retourné à Paris pour développer des études sur le sujet, mais tu m'as pas bien expliqué. S'il y a eu un déclic dans ton parcours qui a fait que tu t'es décidé, allez, j'abandonne tout, je change complètement de carrière, parce que ça, c'est vraiment intéressant quand même, et c'est, je trouve, un parcours qui est finalement beaucoup celui des immigrants qui décident de se jeter à l'eau, de prendre des Ouais. risques et de faire une nouvelle vie, une nouvelle carrière professionnelle. C'est très souvent le cas, mais c'est encore plus impressionnant, j'allais dire, lorsqu'il s'agit de se lancer à son compte, comme c'est ton cas. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, allez, c'est maintenant ou jamais, je vais faire ça?
plusieurs facteurs. Déjà, bon, le fait que bon, dans les domaines dans lesquels je travaillais avant ne m'épanouissaient pas, j'ai toujours eu de la difficulté aussi à travailler par rapport à une hiérarchie au-dessus de moi, quoi. J'ai un côté un peu indépendant qui fait que j'ai l'impression de me retrouver plus quand je ne réponds qu'à moi-même, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de me mettre à mon compte. J'ai l'impression de m'envoler beaucoup plus, quoi, quand c'est moi qui gère mes propres affaires, quoi. Donc, il y a ce côté-là. Et puis, voilà, ce dont je parlais tout à l'heure aussi, un passage difficile dans ma vie qui a fait que, ayant moi-même touché le fond, on va dire, j'ai eu envie de venir en aide aux autres personnes qui étaient passées par des moments comme celui-ci. Et je me suis dit, bon, le théâtre a été très bénéfique pour moi, donc je vais le recentrer encore plus dans une dimension d'aide à la personne. Voilà. Et c'est vrai que j'avais fait aussi en parallèle, bon, ça c'est autre chose, quoi, mais j'avais fait à plusieurs moments de ma vie, vous savez, les fameux bilans de compétences où Ah oui, on a on fait. fait toute une série de tests pour savoir dans quel domaine on est fait, quoi. Et moi, en fait, à différents moments de ma vie, à chaque fois, je suis tombé sur pile 50% artistique et 50% social. Donc, c'est le parfait combo des deux. Et voilà, donc c'est ça qui m'a déterminé à faire le saut, puis à me lancer en art-thérapie. Donc je suis retourné en France, effectivement, et j'ai fait mes études auprès de l'INECAT, qui est une école qui se trouve à Paris, et c'était la première école d'art-thérapie en France, qui a été fondée par Jean-Pierre Klein et son épouse Edith Viarmé. Et voilà, donc Jean-Pierre Klein, qui est l'un des pionniers, pour ne pas dire le pionnier de l'art-thérapie en France. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. C'est une discipline qui est née en France ou c'est une discipline plutôt, j'allais dire nord-américaine? Est-ce que tu sais si qui a inventé finalement le principe? Tu m'as dit que c'était né plutôt dans les années 60. J'imagine qu'il y a Oui, plusieurs, il y a par un les faisceau de. 60-70, quoi, c'est arrivé progressivement. Et ben, en ce qui concerne la France, c'est venu vraiment de Jean-Pierre Quint lui-même, hein, qui est psychiatre à la base et qui a découvert les bénéfices pendant des arts par rapport à la sentimentale. Et voilà, donc, ouais. Alors, Mais la après, bon, psychiatrie, psychothérapie, donc c'est vraiment des disciplines qui sont liées à l'art-thérapie. Est-ce que il faut une formation spécifique dans le domaine? Est-ce qu'il y a une approche aussi médicale? Je sais pas, je dis n'importe quoi parce que j'y connais rien, mais est-ce qu'il faut avoir une base là-dessus ou est-ce qu'il faut davantage connaître et maîtriser les arts de la scène, puisque c'est aussi de ça qu'il s'agit. C'est ça exactement. Nous, on nous demandait pour intégrer cette école d'avoir un certain parcours dans les arts. Bon, déjà d'avoir certains diplômes derrière, quoi, certains bagages en termes de diplômes, et puis d'avoir une expérience assez costaud dans les arts, quel que soit le type d'art. Hein, parce que, en fait, dans cette école-là, on était tous mélangés. Ceux qui étaient dans le théâtre, ceux qui étaient dans les arts plastiques, en musique ou autre, on était tous mélangés. C'est ça qui rendait justement cette formation intéressante, parce que du coup, on apprenait des autres personnes. On était tous complémentaires les uns par rapport aux autres. Et puis après, l'aspect psychologie, on l'a appris sur le moment. On avait des cours de psychologie, etc., qui nous ont permis d'avoir toutes les bases nécessaires par rapport à ce volet-là. Et en ce qui concerne les arts du théâtre, les arts vivants, tu me disais tout à l'heure en arrivant que tu avais toi-même participer et en tant qu'acteur, en tant que monter sur les planches, mais aussi que tu avais monté ta propre troupe, je crois. C'était en France et tu l'as fait également ici, c'est bien ça? Alors, ça a d'abord été à Montréal. Ça a d'abord été à Montréal, d'accord. La troupe est née en 2000, que je dise pas des bêtises, je pense que c'était en 2000, 2013. D'accord. Exactement, oui. Déjà presque 10 ans. Ben oui, déjà, Eh oui, oui. c'est fou, hein. Ça passe trop vite. 2013, donc la troupe s'appelait Minuit Pile.
Donc, je l'ai fondé avec une de mes amies, avec qui j'avais intégré une autre troupe de théâtre auparavant. Et voilà, j'ai eu envie en fait de découvrir, de passer de l'autre côté de la barrière et voir plutôt l'aspect conception, mise en scène et direction artistique, etc. Écriture également, parce que j'ai écrit les pièces sur lesquelles on travaillait. En français, Oui, bien en sûr. français, Ouais, oui. ouais, Oui, c'était à Montréal. Donc, il y a eu des comédies, puis il y a eu aussi une autre pièce qui était plus un drame psychologique. ouais. Donc voilà, donc ça m'a permis en fait de me compléter par rapport à mon parcours, par rapport au théâtre en fait. Et puis ça a été la meilleure école de la vie qui soit, hein. Ça m'a permis de travailler sur plein d'autres choses par côté, ma patience, ma diplomatie. Ah oui, avec une troupe, j'imagine qu'il y a beaucoup d'organisation, il y a beaucoup de... Ouais. Ouais. Oui, bon, déjà, oui, on doit être à la fois au four et au moulin, parce que je m'occupais à la fois du volet artistique, mise en scène, etc., mais aussi de tout ce qui était administration, marketing, gestion des communications, etc. Bon, dès qu'il y a un imprévu qui nous tombe dessus, il faut qu'on arrive à anticiper le plus rapidement possible, parce qu'il y a un échéancier. Bien Qui est sûr, là avec une date butoir qui se rapproche, etc. Donc, c'est la gestion du stress est mise à l'épreuve, oui, effectivement. Mais c'est extrêmement formateur, quoi. et enrichissant humainement, j'imagine que c'est aussi beaucoup de Oui. belles rencontres avec des gens qui sont nécessairement assez expansifs, qui vont avoir Oui. une personnalité forte. Tu as quelques anecdotes, quelques bons souvenirs là On de tes apprend à années travailler de... avec des forts égos, oui, effectivement. Il y a les comédiens, oui, sont des personnes très très sensibles. Et qui dit personne sensible dit que voilà, ça peut exploser tout d'un coup pour une raison bénigne. Et voilà, il y a déjà une comédienne, juste parce que je lui ai dit qu'elle n'avait pas appris son texte, qu'il faudrait vraiment qu'elle apprenne son texte, qui a quitté la salle en balançant son texte sur le sol, en claquant la porte, et elle n'est jamais revenue. Il a fallu la remplacer rapidement. Je Et l'avais, ouais. ouais, donc c'est oui, il y a toujours des petits incidents comme ça qui arrivent, mais bon, ça fait partie du jeu, quoi. On travaille avec des humains, donc voilà, faut les accepter avec leurs qualités, mais aussi leurs défauts. Nicolas Béziers, pour illustrer ta passion aussi pour les voyages, tu as choisi comme troisième extrait, et puisqu'on est au moment de ta vie où tu passes donc un grand moment à Montréal et puis ensuite tu reviens brièvement à Paris, Oui. Désirless, un classique presque Oui. des années 80, Voyage, voyage, explique-nous en deux mots pourquoi? Mais ma passion des voyages, ouais, depuis un certain nombre d'années, j'ai toujours été attiré par les voyages, on va dire, à l'aventure, avec le sac à dos et sans trop grande préparation, se laisser porter par le flot et puis voilà, puis essayer de voyager hors des sentiers battus, pas forcément en suivant les circuits touristiques classiques, en faisant du couchsurfing, c'est-à-dire loger chez Ah bah l'habitant. oui, donc tu privilégies, j'ai l'impression, vraiment ces relations humaines, Oui. cette expérience-là, plutôt peut-être que bah, du voyage touristique à proprement parler, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. Enfin, les voyages style Club Med et tout, on voit rien de la culture locale, c'est Ouais. pas ce qui m'intéresse le plus. Donc voilà, Mais c'est là plus. aussi, tu as peut-être une anecdote ou deux, un pays qui t'a marqué? Oui, mais surtout l'Inde. L'Inde, L'Inde, oui, ouais. l'Inde, j'y ai passé 5 semaines en Inde. Il y a énormément de voyageurs qui reviennent, disent-ils, transformés d'un voyage en Inde. C'est ton cas? Oui. L'Inde, c'est soit on adore, soit on déteste. Moi, quand je suis revenu, mais ça m'a fait un petit peu le même effet que Paris. C'est-à-dire que sur le moment, ça peut être très oppressant.
Parce qu'il y a vraiment un problème de surpopulation Ouais. énorme, très chaotique et tout, mais en même temps, ces aspects-là, c'est les premiers qui m'ont manqué quand je suis revenu. J'avais qu'une envie, c'était d'y retourner immédiatement. Et Et la surpopulation, mais aussi la pauvreté, c'est pas quelque chose de trop difficile à vivre, de trop oppressant, justement? si, oui, on la croise vraiment à chaque instant. Et effectivement, on va croiser des enfants qui sont mutilés, etc. Et ouais. Effectivement, c'est assez pesant à voir. C'est un parcours. C'est vraiment un parcours spirituel. De toute façon, l'Inde, je l'ai vu comme un voyage spirituel qui m'a permis vraiment de me reconnecter avec le vrai sens de la vie. Et voilà, moi, j'ai beaucoup aimé ce rapport qu'ils ont par rapport à la spiritualité. Ça a été vraiment comme un voyage initiatique pour moi. Là, vous me demandez une anecdote, par exemple, une à laquelle je pense, c'est que j'étais à Varanasi, qui est plus vers le nord-est de l'Inde, pas très loin de la frontière avec le Népal. D'accord. Et là, j'ai eu la chance de, enfin la chance, ça va paraître un petit peu morbide comme anecdote, mais ça a été vraiment intense énergétiquement. D'aller de me promener sur alors ce qu'ils appellent les ghats. Les ghats, c'est en fait des escaliers qui descendent vers le Gange Ah directement. oui. Et il y en a beaucoup, beaucoup là-bas à Varanasi. Et il y a l'un des ghats, justement, où il y a quand plusieurs plateformes où ils font toutes les crémations des corps. Et donc, je me suis promené vraiment à quelques mètres de tous ces bûchers. Et il y avait vraiment une énergie que j'ai jamais vécue à aucun autre moment. C'était pas pesant malgré ce contexte-là. Il y avait quelque chose qui m'enveloppait, quelque chose de solennel vraiment, où je me sentais comme protégé par quelque chose. C'était un peu bizarre comme sensation. Et pendant les heures qui ont suivi, j'étais incapable de parler. D'ailleurs, j'avais fait le. Enfin, une fois sorti de ce gâche, j'étais sur une barque avec ben, la personne en fait qui ramait, enfin qui ramait. Puis c'était un petit jeune, il devait avoir peut-être 15-16 ans. Et au bout d'un moment, il me demandait, mais t'es triste ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Et pourquoi tu parles pas? Et en fait, c'est même pas que je me sentais triste ou quoi, mais j'étais comme si ce que j'avais vécu se passait de mots et que j'avais besoin de rester dans cette intériorité. À quelle époque, à quel moment de ta vie tu as fait ce voyage très important, semble-t-il? C'était 2014. Ok. Ouais. Alors on va écouter un court extrait de Desireless, Voyage, Voyage tout de suite sur Choc avec Nicolas Béziers, toujours dans l'émission plus proche de vous. Ça peut se corriger au montage et surtout quand je n'arrivais plus à trouver là pour les accidents cérébraux. Oh, il y a juste eu ça, c'est très fluide. Voyage, voyage.
Voyage, voyage sur les ondes de choc au milieu des années 80, toujours dans l'émission plus proche de vous avec Nicolas Béziers. J'espère que ça va toujours, Nicolas. Mais oui. Merci de te prêter à ce jeu de l'interview un petit peu hors norme sur une durée longue. On vient d'écouter Voyage, voyage pour illustrer cette appétence que tu as pour les voyages. Mais revenons sur le sujet central qui nous intéresse et qui m'intéresse en particulier parce qu'il est mal connu, celui de la dramathérapie. Tu as ouvert donc un cabinet à Toronto. Comment est-ce que ça se passe? Explique-nous un petit peu dans le détail. Est-ce que tu te déplaces vers les C'est ça, je suis à mon compte OK. en tant que travailleur autonome et c'est moi qui contacte en fait les différents établissements pour leur proposer mes services, et donc que ce soit dans le milieu médical ou le milieu associatif. Et c'est moi qui me déplace en fait dans leur infrastructure. Et comme je disais, je travaille principalement avec des groupes, parce que bon, tout ce qui est en rapport avec le théâtre, le mouvement, c'est difficile de faire en individuel. En fait, c'est plus une approche de médiation artistique que j'ai, c'est-à-dire où on travaille aussi en même temps sur les interactions humaines. Ça peut être aussi, on peut être aussi amené à travailler sur la gestion des conflits, etc. Et d'ailleurs, je propose mes services aussi en entreprise pour faire plus du team building, travailler sur les cohésions d'équipe, sur la gestion du stress, Alors, ça, en etc. entreprise, je vois assez bien comment ça peut fonctionner, mais est-ce que tu as aussi des séances en 1 plus 1 avec quelqu'un? Parce que quand on parle d'art-thérapie, dramathérapie, surtout d'utilisation du théâtre, on imagine plutôt un groupe, on imagine plutôt voilà, quelque chose qui se fait à plusieurs, Oui. mais comment est-ce qu'on arrive à soigner, entre guillemets, individuellement les personnes si on est en groupe. Comment est-ce qu'on arrive à apporter du bien-être, à apporter une connaissance de soi, une confiance en soi à chaque personne individuellement lorsqu'on traite un groupe? Parce qu'en fait, chaque personne va se connecter avec ses ressentis. Donc, va se connecter avec ses ressentis, avec ses émotions. Et moi, mon rôle, en fait, même si je suis face à un groupe reste quand même un ensemble d'individus, en effet. Donc, il faut arriver à décoder le langage du corps. De par le langage du corps, si la personne a des raideurs, va avoir les épaules en avant ou avoir certaines rigidités dans son corps, ça nous donne déjà des indices qu'on doit porter une attention plus particulière sur cette personne-là. Et effectivement, s'ajuster à ses capacités en fait ou aux résistances qu'elle peut avoir. Donc, c'est arriver à ramener en fait cette personne dans le groupe. Et en fait, le fait de se sentir connecté au reste du groupe va permettre à cette personne de développer beaucoup plus d'aisance, d'être beaucoup plus à l'aise. J'imagine que tu travailles avec des gens qui n'ont jamais fait de théâtre eux-mêmes, qui peut-être sont très introvertis, ont peur de faire des choses en public, de se mettre en avant. Et puis on parle beaucoup, s'agissant de théâtre et s'agissant de dramathérapie, je pense qu'on parle d'émotions beaucoup. Comment est-ce que tu gères les gens qui ont du mal justement à extérioriser leurs émotions, à les verbaliser ou même voilà, qui sont renfermés, qui sont timides? Comment est-ce que ça se passe? Alors déjà, bon, on ne travaille pas sur une pièce de théâtre en tant que telle, hein, donc déjà, ça enlève cette pression de D'accord. performance. C'est une approche où on est dans tout l'inverse de la performance, au contraire. Le but n'est pas d'arriver à tel ou tel résultat, mais vous savez, comme quand on dit l'expression, c'est pas la destination qui compte, mais tout le chemin Ouais, qu'on le utilise. Donc c'est voyage. vraiment cette approche-là. Et donc on va utiliser différents petits exercices qui permettent de travailler justement sur le lien à l'autre ou effectivement la rencontre avec ses émotions. Donc ça peut être des exercices tout simples comme déjà, par rapport au lien à l'autre, ça peut être simplement affronter le regard de l'autre, juste se regarder dans les yeux pendant plusieurs minutes
Et si ça nous déclenche des émotions en interne, une sorte de malaise, à ce moment-là, essayer de compenser en faisant comme des exercices de respiration D'accord. pour laisser cela se dissiper. Et ou alors c'est beaucoup, comme je disais, le rapport avec le corps est très important. Donc il va y avoir des techniques en fait où on va se mettre en mouvement, que ce soit par exemple avec de la danse intuitive, c'est-à-dire on met son corps complètement en mode pilote automatique. Généralement, c'est plutôt une musique très, 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 très lente, très planante qu'on va utiliser, plutôt que quelque chose de rythmé. Et on ferme les yeux et on laisse le corps complètement bouger de lui-même. Donc, ça peut être des mouvements très subtils si la personne a encore des blocages. Et petit à petit, elle peut être amenée à se lâcher beaucoup plus. Donc, c'est pour ça que le corps, de toute façon, c'est le véhicule des émotions. Et à partir du moment où on se concentre sur son corps, à ce moment-là, les émotions se manifestent beaucoup plus facilement. Un autre exercice aussi, ça peut être par exemple, je pense à un particulier où on a des longues baguettes de bambou de à peu près 1 mètre chacune, et puis il y a 2 personnes en face à face qui chacune tiennent une extrémité du bambou juste du bout du doigt et en maintenant une pression. Et les 2 personnes se mettent en mouvement sans faire tomber le bambou. Donc ça permet à la fois de travailler sur le corps, mais aussi de travailler sur le lien avec l'autre personne. Là, on est amené à collaborer ensemble et être à l'écoute en fait de l'autre. Donc c'est des petits exercices comme ça qui permettent de travailler sur le lien avec les autres personnes. Alors le lien avec les autres, qui dit lien avec les autres dit ma transition est presque toute trouvée. Relation amoureuse, on a parlé un petit peu de relation amoureuse tout à l'heure. Dans ton parcours et également dans le cadre de la dharmathérapie, et ben, l'extrait que tu as choisi, le quatrième, c'est Hervé avec Si bien du mal. Une chanson qui, entre guillemets, bah, fait un petit peu écho à ce qu'on vient de dire. Ben, oui, c'est ça, c'est que bon, ça dénonce un petit peu, c'est la chanson coup de gueule. Ouais, Ça ça fait dénonce du un bien petit parfois. peu ce côté, en fait, ces systèmes de défense qu'on peut développer dans les relations amoureuses et qui sont totalement inutiles, tous ces petits jeux de fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Qui complique les choses plus qu'autre chose, et alors que en fait l'amour devrait être tout sauf stratégique, et on devrait être complètement dans l'abandon de soi et dans avec la plus grande authenticité. Donc je trouve ça dommage en fait de venir compliquer quelque chose d'aussi beau que l'amour et puis de faire mal à quelqu'un qu'on aime en fait. Juste parce qu'on est guidé par nos peurs, par notre ego. Mais juste avant d'écouter l'extrait de Hervé, dans le cadre de la dramathérapie, ça t'arrive d'avoir un couple qui vient, comme, bon, j'imagine que c'est très différent d'une thérapie de groupe, mais tu peux avoir l'homme et ou 2 partenaires qui viennent consulter ensemble pour essayer d'apprendre à mieux vivre ensemble, peut-être, d'apprendre à mieux communiquer, d'apprendre à mieux se connaître, se comprendre. Alors ça m'est jamais arrivé personnellement, mais oui, effectivement, ça peut se retrouver ce cas de figure, soit la résolution de conflits au sein du groupe, ou alors même des rapports parents-enfants aussi également. J'ai quelques-uns de mes collègues là, avec qui j'étais en formation à Paris, qui travaillent justement sur le lien avec parents ou enfants, ouais. Allez, on écoute Hervé tout de suite un extrait de cette chanson, Si bien du mal sur les ondes de choc. Thank you.
sensible mais sensible. 6 heures en tente mineure sur mes ennuis. 5 heures par quel mystère, je crois qu'elle m'aime. On se fait si bien du mal, on fait si bien. On se fait si bien du mal. On se fait si bien du mal, on fait si bien. Je crois que ça devient animal. Pourquoi tu te fais la mal quand je te fais du bien? Quand tu fais du mal, tu reviens. Dis-moi si je te fais mal quand je te fais du bien. Voilà un court extrait de Hervé, parce que le temps passe encore une fois et on est toujours avec Nicolas Béziers, dramathérapeute ici à Toronto. Hervé, poursuivons dans ta pratique là, de la dramathérapie. Tu parlais de musique également, tu parlais de jeux de corps. Est-ce que le yoga ou des pratiques comme ça sont intégrées aussi un petit peu à la dramathérapie? Oui, tout à fait. Très souvent, quasiment. Tout le temps, on commence par un moyen, par un passage en fait de retour vers soi. Donc ça peut être de la méditation guidée, ça peut être effectivement du yoga, des étirements. Voilà, c'est nécessaire en fait pour pouvoir redescendre dans son corps là aussi et se défaire en fait de tout ce qui nous encombre. Notre journée de travail qu'on a derrière nous et voilà, on a besoin de faire le vide sur tout ça. Et pour pouvoir se reconnecter à soi-même et puis pouvoir par la suite, via les différents exercices, être capable d'être dans la meilleure disposition possible pour accueillir ce qui va émerger. Donc c'est important pour ça de faire le vide, de se détendre. Et donc moi j'intègre toujours soit des moments de méditation guidée qui se fait soit debout, soit assis. Ou des moments d'étirement, en fait, où on va plus travailler sur le corps. J'imagine que quand on parle de dramathérapie, on parle davantage à des adultes, mais est-ce qu'il t'arrive aussi de travailler avec des jeunes, avec des enfants? Ouais, c'est possible. Oui, d'ailleurs, j'ai travaillé avec les adolescents du programme La Passerelle. Donc des adolescents qui, bon, déjà, qui vivaient des difficultés dans leur vie personnelle, qui ont vécu des traumas. Et donc, il y avait des conséquences sur le comportement qu'ils pouvaient avoir à l'école. Et voilà, tout ça a fait qu'ils ont été en situation de décrochage scolaire. Et la passerelle était un programme qui permet en fait de les amener en fait à reprendre confiance en eux et à améliorer leur rapport avec leur entourage. Ouais. Est-ce que la question, c'est une question un peu poil à gratter là pour conclure un petit peu tout ce dont on a parlé. Je suis prêt, même pas peur. Même pas peur, c'est bien. J'aime ces invités. Nicolas, la dramathérapie, j'ai compris que ça passait beaucoup par le jeu. Oui. Et puis il y a cette composante théâtrale là qui me plaît beaucoup moi. Mais je me dis toujours que lorsque l'on est sur scène, on a tendance à jouer un rôle, on a tendance à sortir de sa propre, de son moi, okay. D'être quelqu'un d'autre, de se mettre un masque, entre guillemets. Est-ce que dans la vie réelle, on a tous un masque? Bonne question. Est-ce qu'on fait semblant, entre guillemets? Ça dépend des profils, en fait. Ça dépend des profils de personnes. Ça dépend du rapport qu'on a avec soi-même, avec son intériorité, ses émotions. Il y a des personnes qui vont être trop proches de leurs émotions, ne pas avoir de filtre et être beaucoup trop transparents sur tout ça. Il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin, quelque part, qui voient leur sensibilité comme une faiblesse. Et qui vont avoir besoin de se cacher derrière un personnage un petit peu Superman, plein d'assurance, etc., de renvoyer une bonne image d'eux-mêmes auprès de l'entourage. Donc, oui, ça dépend des profils. Mais en deux mots, pour terminer, quel serait
le bon conseil, peut-être, je sais que c'est presque impossible de résumer tout ça à un conseil, mais qu'est-ce que tu dirais, à part venez me consulter, qu'est-ce que tu dirais à nos auditrices et à nos auditeurs qui se sentiraient peut-être un petit peu fragiles, qui auraient besoin de conseils justement pour mieux savoir qui ils sont et où ils doivent aller? Ne pas avoir peur de s'écouter soi-même, de ne pas avoir peur d'entrer à l'intérieur de soi. Toutes les émotions sont là pour une bonne raison et aucune émotion n'est vue comme une faiblesse. Au pire, ce sont des choses qui vont nous faire travailler et d'être... d'avoir une ouverture d'esprit qui va faire en sorte qu'on va pouvoir les accueillir en toute sécurité et de s'y abandonner de toute façon. Et voilà, c'est plus on va se connecter avec soi, se découvrir soi, plus on va au contraire se sentir encore plus complet, encore plus fort. Excellent conseil, Nicolas Béziers, dramathérapeute ici à Toronto. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors j'ai un site web qui est mon nom, Nicolas Bézier, donc Nicolabezier.art, comme l'art. Ah, j'aime ça. Alors, la dernière chanson que tu as sélectionnée pour nous, Nicolas, c'est Stoffer et Maskinen. C'est une chanson, une fois n'est pas coutume, qui n'est pas en français. Voilà. Explique-nous pourquoi elle te colle à la peau, cette chanson. Mais je sais pas, justement, c'est une chanson que j'ai découverte complètement par hasard, qui était dans une série, quoi. Et à partir de là, je sais pas pourquoi, c'est comme si cette chanson m'appelait, qu'elle venait me chercher. Depuis 2 ans, je ne peux pas m'empêcher que de l'écouter en boucle tout le temps, tout le temps, tout le temps, toute la journée longue. Et je sais pas pourquoi, elle me parle, elle m'appelle, et puis à un moment donné, bon, je me suis dit, bon, j'étais curieux sur le texte, parce que le texte est en danois, hein, Ah oui, en voilà, pourquoi effet. faire simple quand on peut faire compliqué. Donc, et je me suis, et c'est là que, bon, effectivement, c'était comme un petit message qui m'était envoyé par l'univers, en fait, via cette chanson pour m'ouvrir les yeux sur. Alors, je suis plus embarqué dans du spirituel, là, mais. Plus sur un parcours spirituel sur lequel j'étais depuis longtemps, longtemps, sans le savoir. Et voilà, et que j'ai découvert, dont j'ai pris connaissance, en fait, qu'il n'y a pas longtemps. Et voilà, bah, justement, ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure, là, par rapport aux histoires de masques, de tout ça. Et voilà, parce que c'est... Ouais. Ben voilà, la boucle est bouclée. Je ne vais pas me risquer à prononcer le titre en danois, mais c'est Mais si! Stoffer et Maskinen. Alors, si, je vais essayer quand même. Vito er smeltet samen, c'est ça? Ouais, À bravo. peu près ça. On va écouter tout de suite un extrait. Un grand merci, Nicolas, encore une fois, d'avoir été mon invité aujourd'hui dans Plus proche de vous. Mais merci de m'avoir reçu, c'est un plaisir. Plaisir partagé tout de suite. Voici le dernier titre de la série. Victor, à faroire, mine time.